Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui, c'est un nouveau vidéo test au Nécho. Exactement. Et test d'une nouveauté, puisque c'est le jeu Saints Row Get Out of Hell. Alors ce n'est pas Get Out of Hell, mais Get. C'est un jeu de mots fort sympathique ouais, de la part des développeurs. Alors développeurs, c'est le studio Volition Games. Alors ils avaient déjà fait un super jeu de mots avec Get 5, le DLC Get 5. C'est-à-dire GTA 5, tu vois. Ils avaient fait Enter the Dominatrix qui était donc... Ça chagrait. À Matrix. Bah ça chagrait hein, surtout aussi. Dominatrix, oui c'est vrai. Mmh. Et puis non, enfin bon bref... Non mais c'est vrai en plus. Hein. Ce sont donc le studio de développement déjà à l'origine des précédents Saints Row. Ouais. Donc il y a eu 4 Saints Row. Attends, avec des extensions. Il est sorti quand? Il est sorti, donc c'est une extension en fait du 4, enfin véritablement c'est un stand-alone. Voilà, donc, t'as pas besoin du jeu de base pour faire tourner celui-ci. C'est un peu à l'instar de Infamous Festival of Blood ou Infamous First Light. Far Cry 3, Blood Dragon. C'est un truc qui se fait de plus en plus. Et je vais pouvoir quitter ce véhicule. Et donc, Get Out of Hell est sorti le 24 janvier sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et PC. Et PS2. On joue à la version PS2. Là, on joue, comme vous l'avez vu sur le titre, à la version PS4. Alors, c'est une grande nouveauté, c'est la première fois que la saga Saints Row s'invite sur les consoles de nouvelle génération. À savoir qu'en fait, ce jeu-là, il est aussi vendu. Avec Saints Row 4 Re-Elected, qui est en fait une... La version OZIR. La version soi-disant remasterisée Saints Row 4. C'est la version... c'est le portage, quoi, en fait. Qui n'a comme seule nouveauté que le 1080p et le 60fps, ce qui est aussi valable ici. T'avais d'autres DLC ou pas avec le 4? Alors, avec... Voilà, donc l'édition Saints Row 4 Re-Elected, tu as tous les DLC du jeu compris. Ouais, voilà, donc c'est une version OZIR, en fait, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Alors là, on fait pas le test de Saints Row 4. Réélecté, donc on va passer par dessus peut-être un jour, j'en sais rien, mais pour l'instant il n'y a pas trop d'utilité pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment Get Out of Hell. Donc c'est vendu pour une vingtaine d'euros, il me semble, et donc c'est pas si cher que ça. Ça va, c'est relativement raisonnable pour un jeu qui peut durer assez longtemps. On va en parler très vite. Donc le contexte, si vous êtes connaisseur un peu de la série, vous pouvez voir que je n'incarne pas un personnage créé par mes soins, comme c'est le cas dans chaque Saints Row, mais on incarne Gat. Alors Gat, qui c'est? C'est un... C'est un personnage qui est, qui est dans presque tous les DLC, je pense, non? Pas les DLC, dans tous les jeux, en fait. Ah oui. En gros, c'est le second du chef des Saints. Alors, les Saints, ce sont un gang, une mafia... Les Saints, voilà. Okay. Comme dans Saints Row. Voilà, Saints Row, exactement. En fait, habituellement, dans tous les jeux de la saga, tu contrôlais un mec que tu créais toi-même et qui était le chef des Saints. Et à chaque nouvel épisode, tu... Le chef des Saints, j'espère qu'il est... C'est ça, le chef des nichons, donc, trop d'influence dans le monde. Puceau. C'est le comble. Et donc, à chaque nouvel épisode, en fait, tu grimpais en grade. Il faut savoir que Saints Row, c'est absolument n'importe quoi là-bas. C'est un GTA-like délirant, et plus ça allait, et puis ils sont partis dans le délire total. Alors, genre... C'était vraiment une espèce de parodie de San Andreas, en fait, à peu près. Enfin, disons que c'était pas tellement parodique. Disons que ça. Voilà, c'était un GTA qui poussait le délire loin. Dans le 3, c'était vraiment vénère. Dans le 4, c'est à partir du 3 qu'ils ont commencé à partir vraiment loin dans le délire et à se démarquer vraiment de GTA, en fait. Le dernier opus qui est sorti il y a 2 ans, Saints Row 4, tu allais, en gros, tu allais conquérir l'espace, tu te battais contre des extraterrestres et t'avais des super pouvoirs. Tout va bien. Et dans le 4, t'étais le président des États-Unis qui battait contre des aliens. Voilà, c'est ça. Donc t'étais toujours le chef des Saints et qui carrément était passé président des États-Unis. Toi, le délire total. Et donc. Mais pour le point Godwin, hein, comme Hitler, t'avais été élu à la majorité. Ah oui, bien sûr. À la majorité après avoir massacré tout le monde. Non, non. Mais. Enfin, c'est pas du tout le cas en plus. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, dans Get Out of Hell, tu incarnes donc Gat, qui est le numéro 2 des Saints. Et c'est une nouveauté, parce que pour une fois, tu n'incarnes pas donc le chef, le boss, et donc le président. Et en fait, tu incarnes Gat, qui va devoir sauver le président, donc le mec que tu contrôles habituellement. Il se trouve que lors d'une petite... Vous êtes que deux, non? Que deux Saints. Je sais pas, c'était bien formé, tu n'es que deux. Et c'est pas terrible pour un gang, quoi. Et le président, donc le chef des Saints, le mec que tu contrôles habituellement, s'est fait enlever par qui? Par Satan.
Rien que ça. Et en fait, tu faisais une petite partie. Non, c'est chaud quand même. Partie, une fête, je veux dire. Par Satan la bite, c'est pour ça que c'est les saints qui se battent contre lui. Ah oui, d'accord, carrément. Tu faisais une fête dans ton vaisseau, ton vaisseau spatial, ça se passe peu après Sensro 4, ouais. Avec bah, les quelques membres restants de ton gang, parce qu'il s'est passé des trucs super vénères dans le 4 à propos de la planète Terre, etc. Bref, et. Ouais, bah ça partait en couille. Ça partait en live, et donc tu faisais une petite fête tranquille, et puis il y a je sais plus qui, un mec de ton gang qui te dit. Ouais, vas-y, viens, on fait un jeu de satanique et tout, tu sais, le genre de jeu, la planche avec où tout le monde tient le petit curseur et puis ça se déplace sur les. Le Ouija. Ouais, ça se déplace sur des lettres, etc. Ouais, et ça fait parler le démon. Voilà, ça fait parler le démon, exactement. Et en fait, le démon parle et puis tac, c'est un creepypasta. Le président se fait. Happé dans un espèce de halo infernal, quoi. Donc là, ni une ni deux, tu as Gat et Kinsey. Kinsey qui est un personnage. Chanteur. Non, c'est une nana, genre une grosse tête et tout. Et donc, ni une ni deux, ils partent dans l'enfer, sauver le président. Et donc, tu te retrouves ici, l'enfer. Et c'est comme ça qu'il est donc matérialisé dans Sensro God Out of Hell. Donc en fait, c'est une espèce de ville satanique, hein, je peux pas dire mieux. Donc en fait, c'est pas la ville du 4, c'est une non, ville c'est pas la ville du 4, c'est une ville de Dieu de l'enfer. Ils doivent utiliser plein de parties de la ville du 4, ouais, hein, sûrement, ça, ouais. Puis tu sens les inspirations. Ah ouais, carrément, je suis. Le repompage plutôt. Ouais, voilà. Le repompage des bâtiments, etc. Mais c'est quand même assez différent au niveau de sa infrastructure, etc. C'est ça. Avec ses quartiers, ses propres quartiers. Tu vois, là, on est dans le quartier de New Hades, par exemple. Non, attends, je crois que c'est le nom de la ville. C'est le nom de la ville. Mais. Mais enfin, t'as les grands districts et t'as les quartiers. C'est ça, voilà. Avec des grosses références à en faire à chaque fois. Ouais. Donc c'est une nouvelle ville qui est un peu moins grande que celle de Sensro 4. Ouais. Donc ouais, comme Far Cry 4... 3 Blood Dragon était moins grande. Et puis comme dans une Famous First Light aussi où c'est une partie de. Non mais donc, t'es plus à Stillwater qui était la ville, donc t'es vraiment à New Hades et donc en fait c'est assez marrant, ça m'a rappelé un petit peu dans son style comment ça s'appelle Shadow of the Damned qu'on avait testé il y a quelques temps. Oui. Où t'avais un enfer qui était très inspiré en fait du monde réel, mais ouais. Vraiment version démon où t'avais des démons, donc tu vois tous les âmes damnées en fait qui sont là et qui se baladent et qui ont un mode de vie, un fonctionnement. Ils ont des bâtiments dans lesquels ils peuvent s'éclater, t'as des boîtes de nuit, t'as des publicités, tu vois. C'est un peu un gros délire en fait. C'est pas hyper fouillé, mais t'as un vrai background qui est là. C'est-à-dire que t'as plein en fait. Là, j'ai terminé le jeu quasiment à 100%, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Wow. Mais t'as plein de bouquins à droite à gauche qui sont des contes de Lucifer ou d'autres personnages que t'es amené à rencontrer dans le jeu, où il te décrit les enfers, le fonctionnement, que ce soit l'administration, pourquoi Satan a créé ça. En arrivant. Mais Lucifer, c'est une fille ou c'est un mec? C'est pas Lucifer, c'est Satan. Et ouais, parce que faudrait savoir, hein, parce que Lucifer, c'est la copine de Satan, c'est ça? Lucifer. C'est un des jeux de mots les plus horribles que j'ai jamais entendu de ma vie. Ouais, d'ailleurs, il est notable de. Il est préféré. De préciser que Satan souhaite à kidnapper le chef des saints pour le marier à sa fille. Ce qui paraît tout à fait logique. Ah non, mais moi je s'appelle comprends. Lucie, c'est ça? Non, qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des jeux. Je sais plus, on s'en fout. Mais. Ouais, tu as terminé à 100%, mais à part ça. Mais non, mais. Donc, je pense que l'histoire, c'est pas forcément. C'est pas le plus. C'est ça. Alors en fait, l'histoire, on va en parler tout de suite. C'est que la campagne solo, elle est extrêmement courte. Donc t'as bien une histoire. En fait, tu arrives dans l'enfer, et puis. Tu as Dane qui était le personnage le méchant du 2, qui est atterri en enfer et qui a fait prospérer la société Ultor, qui était donc la société méchante du 2, en enfer. Donc tu t'aperçois que t'as carrément, voilà, t'as une vraie économie, le mec il a son siège, le siège du Ultor qui est là et dont le but est vraiment de faire du fric en enfer sur le dos des âmes damnées. Enfin, tu vois, est-ce que c'est l'ex-Ultor ou pas? Non, rien à voir, il est pas en fauteuil roulant et il a des cheveux. Donc, et ça me fait vraiment penser à Grim Fandango que je viens tout juste de finir. Oui, voilà, c'est avec une vraie société. En enfer, etc. C'est la société en enfer et ils essayent, il y a de l'arnaque en enfer, quoi. Oui, bah c'est exactement ça. Et donc tu rencontres dès ton arrivée en enfer, donc Dane qui était ton ancien ennemi mais qui a décidé de se rallier à la cause des saints et qui t'offre la couronne, l'auréole
de Satan, car il faut savoir que Satan avant c'était un saint. C'était un ange qui a été banni par Dieu. Quand je dis saint, là c'est pas un saint. Hein. Oui, exactement. Et donc il te donne l'auréole de Satan qu'il a fièrement dérobé, qui te donne donc des pouvoirs un peu particuliers qui sont ceux-là. Donc le fait de pouvoir voler, de courir, etc. Je fais ça tous les jours, ça va. Alors ça, ce sont en gros à peu près des pouvoirs que tu avais déjà dans Saints Row 4, sauf que c'était pas des pouvoirs sataniques, t'avais pas des ailes, tu planais juste, etc. C'est adapté un peu à la sauce... Ouais, c'est un changement de skin, quoi. Exactement, c'est ça. Et donc, ton but va être, comme dans Saints Row 4, de foutre le plus gros bordel possible pour attirer l'attention de Satan. Dans Saints Row 4, en fait, t'étais dans une simulation et tu devais foutre le bordel pour attirer l'attention des aliens et révéler leur présence dans le vaisseau. C'était un peu différent, mais là, c'est le même principe. En gros, tu dois vraiment foutre le bordel dans la ville par le biais de missions de campagne solo. Et aussi, tu devras te rattacher à certains membres connus de l'enfer et récupérer le contrôle des enfers. Donc, on a toujours un peu la thématique gang, etc., tu vois. Le fait de devoir se rattacher à des mecs qui ont un peu de pouvoir pour pouvoir prendre le contrôle de l'enfer, même si c'est beaucoup moins poussé. Et donc, ces mecs-là ne sont ni plus ni moins que des personnalités très connues, comme Barbe Noire, comme Shakespeare, et comme Vlad l'Empaleur, et puis d'autres personnages de la saga Saints Row que tu retrouves ici. En fait, tu vas devoir faire quelques missions pour eux, afin d'avoir leur confiance et avoir sauver le contrôle du président. Sauver le président. Okay. Donc, alors, le problème de la campagne. Ouais, en quoi consiste l'émission du coup parce que depuis tout à l'heure, tu te balades. Je vais en faire un petit peu d'émission, on va en faire tout de suite dès que je vois un truc. Mais en gros, le gros problème, c'est que t'as pas vraiment de mission à proprement parler. C'est-à-dire que toutes les missions que tu fais pour la campagne solo, ce ne sont ni plus ni moins que des missions annexes. Et le genre de mission annexe que tu peux trouver dans tous les Saints Row. Et tu te tapes ça pendant. En fait, tu peux taper ça pendant genre. En fait, les missions annexes deviennent des missions principales. Exactement. C'est-à-dire que par exemple, la mission que je vais faire là, donc, qui est un parcours, en fait, un parcours de vol, je veux dire, c'est le genre de mission que tu vas te taper pour la campagne solo. Et c'est hyper frustrant parce que du coup, à part le boss de fin, du coup, vraiment. Qui ressort du lot. Voilà, ou certains trucs. Bah, disons que t'as pas l'impression. Tu utilises tes capacités à fond, mais t'as pas l'impression de les mettre en avant pour quelque chose d'important au sein du truc. Voilà, c'est ça. En fait, la compète solo, elle est très faible, en fait. Merde, putain, je suis très mauvais. Et t'as assez peu de cinématiques. C'est dommage, en fait, grosse merde. Le peu de cinématiques qu'il y a, il est compté sous forme de conte, vraiment de conte, genre un peu de genre conte de fées, tu vois, avec un livre avec la voix Kinsey qui narre l'histoire avec des illustrations, et puis de temps en temps, c'est assez rare, tu vois, quelques vraies cinématiques, et c'est dommage parce que l'humour de Saints Row est vraiment là, c'est l'humour un peu badass, très con, qui marche relativement bien. Mais c'est hyper rare, donc du coup en fait t'as très peu de cinématiques, c'est assez peu narré, c'est dommage parce que quand c'est fait c'est pas trop mal fait, et en plus de ça donc la campagne solo est pas bien palpitante et elle te tient en haleine mais pas plus que ça quoi, c'est du Saints Row donc c'est du délire, mais c'est pas assez bien narré, pas suffisamment narré en fait, et donc ça peut durer, j'ai dû mettre 4 heures à terminer le truc, c'est très peu quand même, et tu peux aller beaucoup plus vite si tu vas en ligne droite. Heureusement la ville a quand même pas mal d'activités et du charme, c'est vrai, ça devient assez lassant au fur et à mesure, mais c'est vrai tu finis la campagne solo, tu te balades un petit peu dans la ville, tu fais 3-4 activités ou le reste des activités annexes qu'il y a à faire, mais du coup ces activités annexes que tu fais, c'est le même genre de truc que tu t'es tapé pendant toute la campagne solo. Ouais, c'est pas tellement intéressant en fait. C'est pas hyper intéressant, mais le jeu a du contenu malgré tout, si tu t'accroches un petit peu. D'accord. Donc je vais te montrer ça dans le... Le problème, c'est que par rapport au jeu initial, t'as rien de nouveau, quoi, en fait. Ah non, t'as rien de nouveau. T'as quelques pouvoirs nouveaux. Mm-hmm. Alors, je vais me taper un petit peu avec... je vais vous montrer un petit peu le nombre de défis que tu peux avoir à faire, sachant qu'il y en a pas mal qui ont disparu parce que je les ai faits. Mm-hmm. Mais il y en a quand même pas mal qui sont rejouables. Alors ça, c'est quoi? Fraude et tourment, c'est le même genre de truc que t'as depuis les Saints Row. C'est-à-dire faire exploser le maximum de trucs. T'as ça, mais là, c'est genre, en gros, quand tu dois te viander pour faire des fraudes à l'assurance, tu vois. C'est complètement con, mais c'est même plus drôle parce qu'en plus le moteur physique du jeu est dégueulasse, tu vois, franchement, on peut voir d'ailleurs que le jeu est relativement dégueulasse, mais il a le mérite d'être fluide.
c'est bien. Toi, K.O., par exemple, c'est... Attends, j'ai rien d'autre, en fait, là, qui est rejouable. Salut, oui, salut, c'est une nouvelle épreuve. Ah, vas-y, montre-nous. Je vais te montrer ça. Donc, t'as quelques nouveaux pouvoirs, je disais. Ouais. Rien de nouveau au niveau de la plateforme, bon, tu peux toujours voler. Enfin, si c'est un petit peu nouveau, tu peux voler beaucoup plus facilement qu'auparavant. T'as une paire d'ailes. On peut voir en bas à droite... que j'ai des plumes, c'est des battements d'ailes en fait. Donc quand j'appuie sur croix, ça tout simplement ça me donne voilà de me redonner un battement d'ailes. Alors à savoir au début t'en as un seul et après tu dois t'améliorer parce que tu peux upgrader ton personnage ainsi que tes armes. D'accord. Par rapport à ces battements d'ailes en fait c'est une accélération permanente ou c'est juste temporaire? C'est temporaire. D'accord. C'est ok. Tu décélères. Non, je voulais juste c'était derrière ça, parce que c'était pas sûr. Oui, c'était derrière. Oui, c'était derrière. Tu as raison. Et donc, tu as quelques nouveaux pouvoirs. C'est là, oui, effectivement. Okay. Des pouvoirs de combat, parce que déjà, comme je l'avais dit, dans Saints Row 4, tu avais des super pouvoirs. Et donc là, ça a un peu repris mes façons diaboliques. Donc tu peux, par exemple, cette fois-ci, invoquer des démons. Tu peux taper du sol pour aller ramener les happer dans l'espace-temps, je sais pas un truc où. Tu as quoi d'autre? Tu peux les transformer en pierre avec le pouvoir de la gorgone. C'est directement inspiré de God of War. T'as pas mal de références à God of War en fait. Que ce soit de la police de God of Hell, c'est exactement la même police que God of War. Ouais. Au corps à corps, tu tapes avec deux lames, tu vois, et façon Kratos. Et puis parfois, t'as des symboles d'Oméga, de mission sur la carte ou. Enfin voilà, c'est assez inspiré de God of War. T'as quelques références pas mal à God of War. Et puis tu as quoi d'autre? Et donc la paire d'ailes tout simplement. Et la paire d'ailes, les Zeldicards. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Évidemment. Évidemment. Enfin bon bref. Mais en fait, ils pêchent un peu partout niveau référence. C'est assez drôle, bah, comme à l'habitude dans tous les Saints Row. Putain, j'ai déjà fini. Ouais. Donc là, dans cette mission là, ce type de mission là, je dois récupérer les âmes damnées qui tombent du ciel. D'accord. Et les renvoie directement au ciel. Okay. Donc toi c'est le principe, c'est en gros c'est un petit jeu de rapidité, pas de rapidité mais en gros de combo quoi. Il faut si tu tombes à terre ça redémarre ton score pas à zéro mais ton combo à zéro etc. Le salut en fait tout simplement. Je comprenais pas l'idée. Salut. Voilà, c'est d'où le nom de la mission, ça paraît plutôt bien choisi. Ouais, ça va. Ça... Ok donc. Donc le contenu tu dis il a l'air assez faramineux mais si tu fais toujours la même chose. C'est ça. Alors moi j'ai pris du plaisir parce que j'ai bien terminé mes jeux à 100%. Voilà, j'ai t'aimes un jeu. Bien avoir tes d'autant plus quand tu l'as payé. Je pense que quand tu as payé un jeu, tu te dis bon voilà, j'ai envie de t'en avoir pour mon argent. Donc... Ça dépend après, enfin moi typiquement, enfin après ça dépend du prix que tu as mis dans le jeu quoi. Ouais. Mais moi le jeu dur de base. Oui, voilà, moi personnellement, Far Cry 2, je l'ai acheté, mais j'ai pas du tout eu envie de le terminer. Hein. À 100%. À 100%, évidemment. Bah après voilà, tu peux voir que là. Même le terminer d'ailleurs en fait. c'est parce que c'est un mauvais jeu, c'est pas la même chose. Mais c'est un mauvais jeu. Non, tu peux voir que là t'as pas mal de défis. Tu vois par exemple, crame des ennemis avec des lames glacées, effet garanti. T'as plein de défis comme ça. Il y en a plein que j'ai pas fait, il y en a beaucoup que j'ai fait. C'est dire, franchement, t'as de quoi faire. Après, c'est pas toujours distance très. Distance parcourue dans un véhicule. C'est pas toujours des défis très passionnants à faire, tu vois. Ouais. Mais. T'as quoi faire, si tu veux te donner des objectifs, putain, le jeu il y en a plein. Et t'as après, il y a une différence entre les défis utiles T'as plein de défis et les défis complètement chiants qui sont juste là pour allonger le débloque. Quoi en fait, du coup, les défis que tu fais En fait, ça te débloque des points d'amélioration et de l'argent parce que tu peux upgrader ton personnage et crois-moi que t'as vraiment beaucoup de choses à upgrader. J'imagine, mais bon, là, au bout d'un moment, je suis sûr que c'est vite chiant et rébarbatif parce que. C'est vite lassant. Après, c'était un trop, petit chasseur de trophées et tout, ça peut être motivé. Et même moi, j'ai passé 15 heures sur le jeu, sur un jeu qui se termine en 3-4 heures, je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais. Et je suis encore loin du platine, quoi, tu vois, mais il y a un platine, du coup, c'est vrai que ça peut être assez lassant, mais je trouve que le jeu, il a quand même un contenu, il a genre 1000 collectibles quoi, tu vois, enfin parfois t'as des collectibles qui sont utiles, donc je disais qu'ils te dévoilent un peu sur le background et tout. Il y a un mode coop en ligne, donc c'est assez sympa à faire avec son pote. C'est un jeu je dirais que pour une vingtaine d'euros il a pas mal de contenu. C'est pas toujours très utile comme contenu, mais ça a le mérite d'être là et c'est quand même parfois plus complet que beaucoup d'autres jeux ou beaucoup d'autres DLC qui proposent pas grand chose et qui sont plus chers. On peut voir, donc là c'est les différentes armes que j'ai. Alors c'est assez marrant parce que en gros tu as 7 armes capitales.
ses armes capitales. Les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, exactement. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, tu peux améliorer tes armes, comme tu peux voir. Tu vois la taille du chargeur, accès des ailes, enfin, accès des cadences de tir, en gros. Tu as plein d'améliorations pour chaque arme. Donc, ça te coûte des sous. De l'argent, je veux dire, qui est propre à l'enfer, monnaie qui est propre à l'enfer, avec lesquelles tu vas acheter tes munitions, etc. Et puis t'as un autre truc que tu gagnes, une autre monnaie en gros que tu gagnes en terminant divers défis, etc. Qui sont, j'en sais rien du tout, mais ça te permet de t'améliorer toi. Alors ça peut être améliorer ta santé, différentes capacités, ou alors tes pouvoirs. Et améliorer donc tes pouvoirs d'attaque ou ton super sprint, ton vol. T'as vraiment, si tu as personnaliser ton personnage à fond, t'as quand même de quoi faire. Là, tu vois, je trouve le truc un peu qu'on remet vite fait. Non. Par exemple, ils auraient dû mettre 3-3 au lieu de laisser deux grosses cases vides qui servent à rien. C'est tu parce vois. Que je crois que dans le 4, je me doute. Ils ont pris vraiment les emprises d'interface du 4. Ouais, alors c'est que c'est vrai un margin, les gars, ça va quoi. C'est pas très logique. Je vais essayer de me taper un petit peu, pour vous montrer déjà par exemple le genre de délire, voir qu'on est bien dans le délire Saints Row. Alors là, tu vois, c'est la paresse. Donc le mec il est là, et en fait au début t'as Dane qui dit ouais vas-y, y a un super siège et tout, tu devrais te reposer. Il fait le mec, non, moi je me repose pas et tout. Ouais mais c'est un siège avec des flingues. Ok j'arrive. Tu vois le mec est trop badass, et attends, DMC4 quoi. Oh putain. Enfin, tu vois le délire, et c'est bon, voilà, c'est ça dans les armes, ça se ressent. Ça manque un peu d'animation quand même sur le siège, mais ouais, bah tu sais, après le Saints Row, il y a techniquement niveau animation et tout. Bah voilà, pas ce que, hein. c'est ce que j'avais commencé à aborder tout à l'heure, c'était que l'aspect technique en est gros, quand même voilà, vu que c'est un portage d'un jeu PS3 monde ouvert, etc. Et surtout un PS3, un jeu PS3 qui n'est pas beau, voilà, parce qu'il faut dire ce qui est, Saints Row ça n'a jamais été beau et ça s'est pas amélioré avec le temps. Alors heureusement qu'il a un putain de délire, qu'il a une certaine patte quand même, enfin au niveau du bon, bah, vraiment du délire, c'est ce qu'il sauve. C'est pas pour les graphismes que tu vas y jouer. Non, clairement pas. Hein. Si t'achètes un jeu, ce jeu-là pour ses graphismes, c'est que t'as un gros problème mental. C'est plus pour le gameplay et à la limite l'histoire, quoi. Ouais, pour le délire, quoi, pour le fait de pouvoir s'éclater. C'est vrai que pouvoir se balader dans la ville comme ça, c'est assez jouissif. Faut dire ce qui est. Techniquement, le jeu il est à la ramasse sur PS4. Le seul avantage qu'il a, c'est d'être complètement fluide et à 60 FPS. Voilà, et puis il n'y a pas tellement de enfin, il n'y a pas d'aliasing non plus, quoi que ce soit. Les textures sont assez propres. Disons que c'est juste. Non, mais en fait, le truc, c'est que les textures sont. Enfin, elles ne sont pas plus détaillées que ça, en fait. Disons qu'elles sont assez. Enfin, c'est très propre, en fait, au niveau des graphismes. Bah, c'est lisse. C'est lisse, en fait, trop lisse, et voilà, il n'y a pas assez d'activité, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui ressort, en fait. C'est pas moche, c'est homogène, quoi, sur le truc. Mais c'est tellement lisse et plat que... Tu vois quand même parfois du clipping qui est assez incompréhensible. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver genre dans une espèce de brume noire hyper chelou, et tout d'un coup genre fin, tac, mais même pas de transition, t'as toute la vie qui apparaît, tu fais qu'est-ce qui se passe, tu vois, t'as l'impression d'être agressé par le jeu. Ouais. Mais non, techniquement, après je pense qu'il est quand même vachement plus agréable à faire sur PS4 que sur PS3. Évidemment, parce que mais ça choque moins au final sur PS3. Parce que c'est la PS3. De la PS3. Parce que déjà où tu joues la PS4, à ce niveau-là, tu fais. Non, mais t'es une génération plus loin aussi. Hein. Ouais, voilà. Et encore, ce qu'on se disait, on est d'accord pour dire que c'est quand même du début de génération de PS3. Enfin, tu vois, clairement. Après, moi, je trouve pas ça moche, mais bon, j'ai jamais été bon en graphisme. Moi, non. Mais bon, je dirais que ça pêche un peu quand même. Si le jeu avait été hyper beau, par exemple. Ça aurait été quand même moins difficile de s'attarder sur les défis chiants, quoi, tu vois. Ouais. Forcément. Moi, par contre, j'ai une question que je me posais. Je me dis, on est en enfer. Ça peut donner un truc de fou au niveau de l'OST. Non, mais au niveau des musiques, tu sais, de licence, etc., il pourrait y avoir des tas de trucs sur l'enfer, des grosses musiques bien tout rock. Tout à fait, je suis d'accord. Oui, alors, Highway to Hell de ACDC. Highway to Hell. Alors, tu n'as aucune musique sous licence. Oui, c'est clair. C'est dommage. Et parce que c'est de la merde. C'est dommage. Bah, c'est en fonction du budget, je pense, alloué. Parce que les musiques à licence super connues aussi, ça coûte cher. Et franchement, ils avaient mis le paquet pour cette Saints Row 4. J'étais impressionné parce qu'il y avait un répertoire mais monstrueux, tu vois. T'avais tout pour tous les goûts, que ce soit du rock au funk, à la trap music, à la techno, au hard rock. Au pop. Et c'était que des putains d'artistes, tu vois. Et au pop, ouais. Enfin, cette Saints Row 4 avait géré grave, tu vois. Là,
pareil, ils l'ont pas réutilisé. Non, en fait, t'as pas de musique. Enfin, t'as des musiques, mais c'est vite fait de l'ambiance composée, je sais pas où, par un pakistanais dans un truc. Mais donc, c'est dans le avec thème. Avec des fleurs. C'est dans le thème, tu sais, un peu genre lyrique, machin. Y a rien de. Franchement, y a rien de folichon. Et du coup, c'est assez pénible parce que quand t'as envie, par exemple, de faire tous les collectibles du jeu, et ben, c'est cool de pouvoir mettre un petit peu de musique en fond, des trucs comme ça, tu vois, ce que tu pouvais faire dans le 4. Là, tu n'as aucune musique, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu. Niveau design sonore, c'est un peu. C'est très faible en fait. Bon. C'est très faible. Donc, sur l'aspect, vraiment, c'est pas. Forme, c'est pas top. Non. Le fond en manque, justement. Ouais, mais ça en reste pas pour entendre un mauvais jeu. Non, c'est parce que j'entends. C'est assez frais. Et j'ai passé un bon moment. C'est pas du tout un moment. C'est pas un moment inoubliable, rien que là, mais loin de là, mais je me dis que c'est pas un jeu qui mérite qu'on mette totalement de côté, quoi, tu vois. Je me dis comme extension. Si on kiffe le Trip Saint Row, et je pense que c'est d'ailleurs à réserver aux aficionados de la série. Oui. Un mec qui connaît pas Saint Row, il va arriver là-dessus, il va se faire chier, il va plus toucher à la série, quoi, tu vois. Clairement. Donc voilà, je pense que... Il y a un DLC, un standalone qui s'adresse plus aux fans qu'aux nouveaux revenus, et voilà. Exactement. À savoir, j'ai oublié de le préciser, que tu peux changer de personnage et incarner Kinsey. D'accord. Donc elle a rien de différent à part les... Bon, du tout. Si alors, attends, dans ce cas-là, je vais juste chercher... Et on peut tranquillement glisser vers la conclusion. On peut tranquillement glisser dans la... Si tu as le droit. Qu'est-ce que je suis droit. Avec le droit. Alors, écoute, quelle note je mettrais à ce jeu? J'hésite du coup entre un 13 et un 14. Je pense que c'est quand même plutôt 13 sur 20, mais 13 plus, tu vois. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que ça peut être très lassant. On est au siège du Luthor ici, comme tu peux le voir. D'accord. Ça peut être assez lassant, mais avec un bon fond, un bon esprit, et je pense que avec un petit peu plus d'ambition, ça aurait pu être une extension qui serait grimpée facilement à 15. D'accord. C'est dommage, mais Avec de vraies missions, ça aurait tout de suite gagné. Exactement. Je pense que rien que de faire une campagne un tout petit peu plus longue et avec des vraies missions, de véritables vraies missions, je veux dire, ça aurait été sympa. Pour faire la comparaison avec un autre standalone qui est une Famous First Light. Ouais. Ouais, enfin ça c'est tous les jeux à monde ouvert, avec problèmes de caméra. Ouais, ça c'est pas mal, parce qu'en plus comme c'est très dynamique, tu vois, le fait de pouvoir courir à mort comme ça et tout, donc voilà. Alors tu vois, tu peux avoir, je vais penser au moins Pierre, puis après je vais pouvoir user de ça pour faire ce tour. Ouais, donc ce que je disais, c'était pour faire la comparaison avec un autre standalone qui est sorti à peu près dans les mêmes eaux en fait. Trois mois après, ouais. Disons que Infamous First Light en fait n'avait pas une nouvelle carte, en fait, ne proposait pas une nouvelle carte, mais proposait des missions d'histoire beaucoup plus intéressantes et des missions beaucoup plus plus fouillées scénaristiquement. Alors que là, tu vois, ça va être un autre. Ça va être un autre délire. En fait, tu vois directement vers quoi se dirige la série par rapport. Bah, disons que Saint Row n'a pas l'ambition scénaristique. Oui, voilà, Infamous non plus. Mais disons qu'Infamous avait quand même l'avantage d'apporter des missions qui étaient vraiment, qui n'étaient pas genre juste les missions annexes de. On en reparlera. C'est assez bon de dire ça parce qu'à la base le concurrent c'est GTA et maintenant tu te diriges presque plus vers la concurrence de Saints Row, un truc comme ça, tu vois. C'est assez... on a changé totalement du... Disons que Saints Row a réussi à créer son truc. C'est pas un GTA-like. Non, mais... c'était clairement l'ambition. C'est un jeu... GTA, tu vois. C'est un jeu, mais bac à sable. Dans la plus pure tradition du mot, quoi. Ils ont vu que Rockstar allait tellement loin dans la qualité... Ils ont dit, on va se diriger vers autre chose, les gars. C'est ça, qui a des idées? Toi, tu veux mettre un god en tant qu'arme? Allez, on est parti. Ils ont raison, parce qu'à mon sens, aujourd'hui, Saints Row, c'est une référence dans la matière du délire et du jeu bac à sable, quoi, tu vois. Après, je ne sais pas vraiment vers quoi la série va évoluer, parce qu'ils sont allés très loin, quand même. Ne serait-ce que dans le contexte. Je veux dire, aujourd'hui, t'es dans l'espace, t'as dézingué une armée d'aliens, t'es pas, t'as battu Satan en enfer. Qu'est-ce que tu veux inventer d'autre, quoi? Après, tu peux partir dans la SF, découvrir une nouvelle planète, par exemple, je sais pas. Je pense qu'ils ont forcément trouvé quelque chose. Oui, mais au niveau du délire et d'aller toujours plus loin, en fait. Ah oui, d'aller plus loin. Est-ce que le jeu explorer autre chose que Est-ce que ça va réussir à se renouveler dans le toujours
toujours plus loin. On verra bien. Et est-ce que ça va pas finalement atteindre un certain stade et en rester cantonné ici? C'est exactement ce que je me demande. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite. En tout cas, je pense que c'est assez intéressant. Ouais. D'accord. En tout cas, par rapport à une note, qu'est-ce que tu... Ah, du coup, je mettrais un 13, voilà, 13 plus, je dirais, vraiment parce qu'il y a un bon fond. Mais que, et je le conseille, mais à ceux qui aiment beaucoup la série. Les autres peuvent, je pense, passer leur chemin. Ça n'en reste pas moins, un mauvais jeu. Voilà. Donc là, je sais pas bon, bon. Ouais, voilà. T'as dit un mauvais. Jeu. Oui, voilà. Ça n'en reste pas moins. Une grosse merde. Ouais. Allez, bisous. Bon, allez, oui, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vidéo test. Et n'hésitez pas à vous abonner, à faire partager quoi que ce soit, y compris votre mère, si ça vous a plu. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je ne pas spécialement ce test à ma mère. Voilà. Bref, allez, à bientôt. Salut.